couper le début de la vidéo, je m'en fous. Alors, chrono, c'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Julien de retour pour une nouvelle vidéo. Je suis en compagnie avec... Laura, attention, la seule et unique vraie pro de Roller Coaster Tycoon World, attention, nouvelle version. Alors, tu es là pour Donc, me présenter ce jeu que je connais absolument pas. absolument pas. Bon, c'est pas la première version, hein, rien à voir avec le 1 et le 2. Bon, ça ressemble au 3. À partir du 3, il y a une invention au niveau du graphisme qui est plus réaliste. C'est-à-dire en 3D. En 3D, ouais, voilà. Les deux premiers font plutôt penser à des bandes dessinées. Il y a plus, c'est plus riche en couleurs, c'est moins réaliste, mais ça passe très bien aussi. Enfin, pour moi, c'est tellement nostalgique que... Tu sais à peu près en quelle année c'était sorti les premiers? Oula, tu m'en poses une question là. Vraiment, grosso modo, quoi, tu sais pas trop. Grosso modo, je sais pas. Je sais que moi, j'y ai joué dans les années 2000. Ouais. Donc, je pense que ça doit être dans ces années-là, Fin des années voire même avant. 90, Hein. ouais, Ouais. fin des années 90, début 2000. Ouais, c'est assez vieux. Enfin, je sais pas ce que Et ça s'appelle c'est pas vieux. très connu aussi comme jeu. Non, moi, j'entends pas beaucoup de personnes parler de ce jeu, C'est sûr, c'est pas un mais gros jeu triple A c'est comme un Tomb pas. Raider ou Non. un Mais c'est un Battlefield. jeu, voilà, qui me tenait vraiment à cœur, et donc pour Voilà. Noël, Julien me l'a offert, et sur ce, voilà la vidéo. Ouais, les fans Ouais, vidéo! encore faire des millions de vues sur YouTube. Bon, alors Bah, voici l'interface du jeu. Donc, ce qui est bien, et ça change par rapport au 3, donc on peut vraiment jouer en ligne, donc télécharger des choses en ligne, des créations de ce que d'autres personnes ont fait en fait. Puis, donc, il y a deux modes. Il y a le mode campagne, donc là, c'est vraiment le mode où tu joues, je vous présenterai ça après. Et il y a le mode bac à sable. Et c'est ce que je vais mettre juste pour vous montrer. Donc, trois thèmes différents, ça aussi, c'est Trois nouveau. lieux, ouais, Voilà, j'avais donc soit compris. forêt, canyon ou île lumineuse. Donc, il y en a pour tous les goûts. C'est cool. Donc, je te laisse choisir, tu veux quoi, toi? Illumineuse. Île lumineuse, ah, ça J'aime bien m'étonne, les yeux. toi. Ouais, c'est vrai. Bon, le chargement, parfois il est un peu long. Façon, on en parlera plus tard pour ce qui est des défauts et... Faire tout dire Quoi? tout de suite. Voici Rien du tout. une belle île verdoyante, la mer. Voilà, là c'est le début. Alors ça c'est du grand nouveau, c'est magnifique. Si vous connaissez les autres jeux, vous allez reconnaître cette innovation. Il y a vraiment une bonne qualité, quoi. Ouais, ça n'a rien à voir, quoi. Puis voilà, la route, elle continue, je veux dire, c'est réaliste. En fait, c'est le réalisme là qui prend le dessus sur cette version. Voilà, même l'eau, hein, regardez, bon, c'est pas mal. Bon, on n'a plus les reliefs là sur l'eau quand on clique, on peut plus péter les ballons dans l'air, pareil. Je sais pas, il y a quelque chose qui a été enlevé par rapport à la souris. Normalement, on avait plus de d'action dans le jeu, on pouvait faire des trucs. On Donc tu pouvait. débutes comme ça alors. Ouais, voilà. Ouais. Donc, Sans rien. ouais, voilà, donc là, il y a Avec une l'argent, tout somme ça. 25 000 dollars. Oui, bah après, ça dépend des campagnes. Mais là, on est en bac à sable, donc a priori, l'argent, c'est pas En fait, important. Et t'as pas puis, de on peut mission, en tout. fait. Tu peux créer ce que Là, tu on veux, fait mais ce t'as que pas de tu veux. mission. Là, c'est juste pour la créativité, en Ouais. fait. T'as C'est pas beaucoup de pour. challenge, quoi, là-dedans. Non, ça, c'est plus truc de nana, j'ai envie de dire. Pour. Voilà, pour créer un parc, le parc de tes rêves, quoi. Faire ce que tu veux. Enfin, voilà. Il n'y a pas vraiment de. Tu peux pas vraiment gérer parce que. Parce qu'il y a rien à gérer, quoi. Il n'y a pas de bénéfice à faire ou quoi. Donc après, voilà, pour faire ça, voilà, vous construisez vos trucs. Nouvelle, on peut faire des routes en... Ça, c'est nouveau aussi. Ah Ouais, ça, c'est nouveau aussi. Donc ça, c'est pas mal. Bon, comme j'ai dit, ça, c'est beaucoup plus axé sur le réalisme, hein, ce jeu. Voilà, toute l'interface, tout nouveau. Mais bon, il y a des trucs sympas. Bon, après, on peut faire un peu ce qu'on veut, hein. Là, on est quoi? On est dans l'île, on peut faire des cactus. Ouais, ça fait plutôt trop style western, ça. On va mettre... rester un peu dans le thème. Oui, voilà, faut rester un peu Même dans le si tu peux faire ce terme. que tu veux, tu peux pas. Exactement. Bon, on va faire un manège. Allez. Junior, familial, intense. C'est ciblé, hein. Il y a trois sortes de population. Ouais. Dans Roller Coaster Tycoon, il y a les enfants, adolescents et adultes. Et il y a pas toute attraction plaît à tout le monde, en fait. Et après, ça dépend, et ça dépend des gens, voilà. Voilà, on peut vraiment le mettre comme on veut. Voilà, ça c'est nouveau, enfin aussi, c'est vraiment sympa. Bref, je vais le mettre. N'importe où. Hop. Voilà, tu dois créer ta petite route. Enfin voilà, en fait, le but, voilà, c'est pas très compliqué, hein. Pas peine d'avoir un bac plus 6 pour faire ça. Ça passe très bien tout seul. C'est vraiment super simple.
C'est un bon vide-tête, ce jeu, quoi. Ouais, ça m'a donné envie de rejouer à SimCity 4. SimCity 4, moi j'ai jamais joué, ça pourrait me plaire. Je joue SimCity 4. Ça, c'est truc de vieux, ça. Oh, j'ai pas ton âge, moi. SimCity 4, oh. Voilà, et ce qui est bien, bon, ça c'est que depuis le 3. Donc depuis qu'il y a ce graphisme qui est nouveau, donc on peut tester les manèges. Oui, voilà. Et puis tout manège. Hein. Bon, après, ça c'est pas très intéressant à tester. Mais à tester, c'est les montagnes russes. Ouais, voilà, ça c'est génial. Ça, ouais. Ouais. Et hop là, après on peut faire plein de trucs à manger. Mais c'est super bien cool. Complet, hein. Ouais, voilà. Et puis il y a aussi. Y a, ça c'est nouveau aussi, donc ça c'est pour le personnel. Normalement, on employait, il y avait une icône ici pour l'emploi du personnel, et en fait là ça gagne en réalisme parce qu'en fait ils ont un local, et t'es obligé de construire le local pour avoir des mécaniciens, pour avoir des concierges qui nettoient le parc, pour avoir des animateurs qui distraient la clientèle. Donc voilà, c'est aussi complet l'autre, c'était moins complet, c'est ce que non, c'est non, c'était ouais. Ouais, c'était là, franchement ils ont vraiment réussi un bon pari. Donc voilà, après, pour éviter de trop faire durer la vidéo, je vais juste vous montrer une partie que j'ai vite fait déjà créée. Ouais, hop, voilà, donc c'était un bac à sable aussi, premier parc. Bah oui, parce que c'était le premier parc de mon jeu. Donc ne me jugez pas, s'il vous plaît. Hein. C'est pas comme si j'avais 3000 heures par jour pour jouer à ça, mais. Ça change des révisions d'infectieux. Hop. J'ai vu une icône, cette pêche, voilà. C'est pour créer un peu de relief. Ouais, exactement. Là, tu peux faire ton lac. Bah, regarde, c'est ce que j'ai fait là. J'ai créé un lac. Donc, je vous présente mon parc. Ouais, il y a du monde, ouais. Vous voyez, je suis en illimité ici. Voilà. C'est sympa, ouais. Donc, grande roue. Ça, c'est sympa à tester aussi. Ouais. Sympa, mais bon, faut attendre que ce soit plein. Là, il y a un, deux. Ah si, ça va peut-être y aller en fait. Oui, tu peux avancer le tour du temps. Ah oui, oui, tu peux faire ça. Ouais. Ah, regardez. Hop. C'est sympa. C'est agréable. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire ses propres constructions de montagnes russes. Et après, on peut se faire plaisir, quoi. On peut construire un décor de ouf, créer. Enfin, c'est ça. Ouais. Bon, il n'y a pas l'effet de la gravité et tout, hein. Mais bon, c'est sympa quand même. Ouais, meilleur c'est montagne russe. Je sais pas où il en est là. Ouais. Ça, c'est un truc qui tourne, donc tu peux pas vraiment voir par la caméra. Mais... Donc voilà. Et puis la roue, elle est gigantesque, quoi. Ça, c'est la première fois que je vois une grande roue qui est aussi réaliste parce qu'elle est gigantissime. Elle est vraiment magnifique. Les décors, même les fontaines, là, c'est nouveau. Je trouve ça vraiment super joli. Ouais, et puis... Par contre, grosse critique, avant que j'ai oublié. Pourquoi? Eh ben, il n'y a pas d'attraction aquatique. Ça, c'est dingue, ça. Depuis le Roller Coaster Tycoon 1, le premier, s'il te plaît, hein, il y avait déjà, on pouvait faire des signes sur l'eau, ou voilà, des petits bateaux, tout ça. Et là, que dalle. Ah ouais. Ouais. Alors là, je suis déçue de chez déçue, quoi, parce que c'est quand même vachement cool. Après, voilà, peut-être que c'est pas dans cette version-là du jeu, peut-être qu'il faut acheter une autre version, mais je trouve ça quand même nul, je trouve que ça fait partie des basiques du jeu, quoi. Donc, ça, c'était une grosse déception. Voilà. Ouais, ça c'est bien, c'est pratique, comme ça on peut vite fait savoir ce que les gens veulent pas. Voilà, lui il a faim par exemple, mais bon, il y a des trucs à bouffer là, donc il va pas nous saouler. Bon, lui, voilà. Après, ouais, il y a pas mal de... Bon, voilà, en plus comme il marche, voilà, les personnages sont pas mal variés. Bon, lui, il a envie d'aller pisser, comme tu vois. Lui, il marche à travers le banc. Il y a pas mal de petits bugs comme ça, hein, mais bon. Pas mal de petits bugs comme ça, mais bon. C'est pas gênant. Ça, non, c'est pas gênant, franchement... Ce serait vraiment chercher la petite bête de dire ça. Voilà, tu veux un truc en particulier avant que je montre un mode campagne? Voilà. Ouais, donc je vais vite fait vous montrer le mode campagne. C'est possible que tu fasses une mission dans la vidéo. Tu veux que je fasse une mission? Ce serait trop long de faire une mission. Oui, ce serait trop long. Bon, au moins expliquer. Ouais.
menu principal. Et d'autres détails qu'on a peut-être oubliés. Je sais pas. On attend, il n'y a que 10 minutes. Donc, je clique sur le mode campagne. Voilà. Donc, ici, en fait, il faut commencer par la forêt folâtre, s'il vous plaît. Hein. La forêt folâtre, première version. Deuxième version, le canyon dangereux. Ouais, je peux qui jouer, ouais, voilà, si j'ai fini le reste. Et la troisième version, ta préférée, il préféré, il lumineuse. C'est beau, c'est vert, c'est bleu, il fait chaud, bref. Et il y a des plantes carnivores, toi t'aimes les plantes carnivores. Bref, voilà, donc ça c'est un peu ce que j'ai fait. Donc en fait, pour débloquer, il y a trois niveaux à atteindre. Donc ça aussi, ça a changé niveau graphisme, niveau comment ils présentent la chose. Ça a changé par rapport aux autres Roller Coaster Tycoon. Ça, ouais, voilà, ça c'est même une interface qui est neuve depuis le Roller Coaster Tycoon 3. C'est ce principe-là, après les 1 et 2, bon, ça n'avait rien à voir. Mais moi, je conseille vraiment, juste petite parenthèse, de jouer au 1 et 2. C'est vraiment pas mal quand même. Hein. Franchement, c'est pas mal. Et en fait, il n'y a même pas de comparaison possible entre le 3 et le World, en l'occurrence, que le 1 et le 2. Parce que ça n'a rien à voir. C'est comme comparer une pomme et une poire, tu vois. C'est rien à voir. Le graphisme n'est pas pareil. L'interface n'est pas pareille. Comment tu joues au jeu, c'est tout différent. D'accord. Du coup, voilà, c'est rien à voir. Depuis le 3, j'aurais dit, c'est un nouveau Roller Coaster Tycoon. T'aimes ou t'aimes pas ? Celui-là, c'est le dernier. Ça, c'est celui qui est en novembre. Exactement, ouais. Novembre 2016. J'ai pas dit, c'est édité et développé par Atari. Atari. Ouais. Donc, vas-y. Alors ça, c'est une mission que t'as réussi. Ouais, ça, c'est les premiers. Donc, voilà. Le plus intéressant à vous montrer, c'est celui-là, je viens de le commencer. Mais bon, franchement, les parcs sont vraiment bien. Je vais faire ça. Ah, mais non, mais ça, celui-là qui... C'est quoi les trois icônes, là ? Il me semble que c'est celui-là. C'est celui-là que j'ai pas réussi à sauvegarder. Je vais regarder. Ah oui, il est... Ouais. Comme défaut. Ouais, mais c'est n'importe quoi. Vas-y, explique-moi sur les sauvegardes, quoi, quand même, là. Bah, pour les sauvegardes... voilà, vous en avez la preuve. Vous en avez la preuve même. Je crois que je vais péter un câble, là. Je rage, là. Vraiment, c'est en mes tripes, quoi. J'ai déjà tout construit, là. J'ai tout fait. Et en fait, il suffit, parce que les missions, comme ici... Il y a des missions à faire. Il faut les faire dans un temps donné. Donc, temps restant, bon, ça c'est... Voilà. Et le problème, c'est que quand tu as fini ton temps, eh ben, tu peux plus sauvegarder. Il y a juste une interface qui dit vous avez fini votre mission. Ou, bon, dans mon cas, il manquait deux attractions à construire. J'avais vraiment vite fini, mais je savais pas que c'était autant. Du coup, c'était échec de la mission. Et je pouvais même pas sauvegarder, en fait, parce que parce qu'il n'y avait pas cette option-là dans l'icône. C'était soit on revient au parc... on pouvait pas revenir au parc. C'était soit on passait à la mission, on recommençait, ouais, ouais, soit on revenait au menu principal, ouais. Mais il n'y avait aucun moyen que tu reviennes au parc pour sauvegarder. J'avais pas le choix, ouais. J'étais prise entre quatre murs. Bref. Du coup, c'est un peu nul. Du coup, je vais pas vous montrer ça, hein, parce que ça m'énerve. C'est le parc qui m'énerve. Ce parc, il m'énerve. J'ai passé toute ma vie dessus, toutes mes pauses là de la journée, j'ai passé dessus et pour rien. T'as passé combien d'heures sur ce jeu depuis le début ? Oh, c'est vite fait. Faut voir si la population, ils doivent plutôt cibler les adolescents en fait. Je suis peut-être un peu trop vieille et j'ai mes 21 ans pour ce jeu. Hélas. Mais bon, on va vous montrer celui-là. Hop, celui-là je l'ai fini, tout à fait fini. Ouais, c'est peut-être pour les plus jeunes, ouais, je sais pas. À voir avec quand j'aurai débloqué les suivantes, mais a priori, non. Hein. Durée de vie, hein, tu peux jouer. Oui, je pense qu'on peut jouer. C'est ça qui est bien, c'est un jeu vraiment général. Donc voilà, c'est ce qu'il vous présente au début. Bon, voilà, blablabla, blablabla, bonne chance, champion. Voilà, donc ça, c'est un parc. Ouais, c'est pas mal, hein. Donc là, il y a l'entrée. Voilà, tout ça ici. Bon, la plupart des choses c'était déjà là, hein, mais j'ai construit pas mal aussi. Bon, c'est pas mal, franchement, j'aime bien ce parc. Cette icône, là ? Oh non ! Mais non, ça j'ai rien fait en fait là. Putain, ça m'énerve ça. Charger. Ça a pas sauvegardé. Non. Bon, tu couperas ça, hein, mais. Il y a des soucis de sauvegarde quand même là-dedans. Il y a pas mal de soucis de sauvegarde.
Alors que tout est sauvegardé automatiquement de nos jours, bah là, ouais, t'es complètement emmerdé par un jeu c'est récent, quoi. carrément, ouais. Encore un vieux jeu, c'est acceptable que vous venez un nouveau jeu très Ouais, récent comme ça, que t'as du mal à fortement. sauvegarder. Ouais, surtout que c'est hyper frustrant, quoi, parce que jouer, charger. En fait, pourquoi là je peux jouer et là je peux charger? Faut m'expliquer, les gens, hein. Normalement, t'as un parc, tu peux reprendre jouer le parc que t'avais fini, tu peux le continuer, voilà, pour se faire plaisir, quoi. Par plaisir. Et là, il n'y a pas de plaisir, en fait. Dès que t'as fini ta partie. Bon. Charger. Je vous l'ai déjà montré celui-là. Jouer. Bah écoute, il y a moyen, en fait, qu'on peut même pas, hein. Charger. Ouais, c'est le dernier. Ça, c'est le dernier, un truc de golf. Enfin, on essaie de montrer un exemple d'une mission. Hein. On prend. Ça a marché. Ah, là, ça a marché. Voilà, moi j'ai construit cette montagne russe que vous voyez là. Ah oui, c'est ça que tu peux personnaliser ta montagne Et russe. ouais, tu peux construire sa montagne russe. Alors ça, c'est vraiment pas mal quand même, hein. Ça. Explique-moi l'histoire de montagne russe qu'il faut bien personnaliser, rajouter les freins, enfin. Oui, alors il faut aller Voilà. dans montagne russe. Tu choisis ta montagne russe. En l'occurrence, j'ai pris une montagne russe roller hyper coaster, voilà. Donc tu poses la base, hop. Après, bon, après tu la modifies. Et c'est vraiment très complet. On peut vraiment, il y a beaucoup plus de liberté en fait. On peut vraiment faire un truc qu'on a en tête. Il y a une liberté, une flexibilité. À condition que ça fonctionne aussi. C'est très réaliste, ouais. Ça fonctionne rarement. Il faut vraiment bien mettre les freins. C'est beaucoup plus fluide, quoi. C'est beaucoup plus fluide. Donc là, voilà, par exemple, j'avais. Ah, je crois qu'il marche toujours pas d'ailleurs. Pour vous montrer un petit Bah tiens, exemple. ouais. Mince. Hop. Je vais mettre en test. Ah, bah, j'ai mis sur pause. Attendez, hop. Je vais mettre sur test. Il y a. Voilà, là vous voyez mon petit engin Tu peux partout. en dessiner. Non, je peux pas. Ah, si, je peux. des fois, il y a trop de choses affichées à l'écran, je vois pas Donc. grand-chose. Voilà, on va se mettre un truc. Hop. Ah. Si, 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 ça passe. Vous voyez, vous allez voir, c'est là-bas où ça va plus passer. On s'en rend compte au test, hein. Mais c'est dommage parce que c'est une belle boucle quand même. Vous voyez? Et là, ouh! Hélas, hélas, ouais. Et là, on se sent un peu con quand tu vois ton manège. Mais bon, voilà, c'est des trucs, ça se répare, tout ça. C'est sympa. Voilà, donc juste pour expliquer vite fait les objectifs, il y a donc à chaque campagne, chaque scénario, il y a un nouveau défi à réaliser et puis ça te fait gagner. Ça aussi c'est nouveau, j'ai appris à connaître avec ce jeu-là. On gagne donc je sais même pas comment ça s'appelle, des rollers hyper coaster, enfin des jetons en fait, que tu gagnes à chaque validation d'un objectif. Genre là, je vais valider mes profits, et voilà, c'est pas mal ça, bon voilà. Et en fait, ça permet, donc seulement dans les scénarios, un bac à sable, il y a tout qui est débloqué, ça te permet de débloquer Ah, des les jetons manèges. servent à débloquer, Voilà, d'accord, ok. exactement. Donc à Ah, faire des ouais. grands 8. Voilà, même des trucs de déco, hein. Je veux dire, en déco, c'est vraiment Ah oui, t'as très des riche. arbres, t'as plein de trucs. Ouais, on peut Des vraiment. rochers, Ah ouais. oui, il y a tout. Tu peux tout mettre, tout enlever. Ah ouais, c'est Tu peux sympa, ouais. déplacer. Tu peux aussi enregistrer des maquettes. Donc il y a pièce par pièce, tu peux faire des bâtiments. Donc par exemple, là, j'ai envie de me construire un petit bâtiment, parce que là, c'est un parc de golf, hein, vous voyez. Donc j'ai envie de me faire, par exemple, générique ou Ah oui, enfantin. aussi tu peux partager ce que tu construis Et on peut à la partager ce communauté, qu'on ouais. touche. Bon, prêt. Voilà. Mince, je voulais pas le construire. Mais c'est pas grave. Bon, là, c'est un truc tout prêt, hein, c'est pas mal. Enfin, c'est joli, c'est tout mignon, bref, voilà. On peut aussi le construire soi-même, hein, sans aucun problème. Tu fais hop, tu construis. Ah, ça pète les oreilles. La bête. Donc voilà, là, je fais le sol, par exemple. Touc, touc. Puis, bon, je fais un truc de nul, hein, mais c'est histoire de vous montrer. Hop, avec un petit arche. Vous voyez, hop. Bon, ils ont. Même si le jeu. Il n'y a plus les carrés. À la base, il y avait tout le temps les carrés, mais pour rendre Ouais, plus de réaliste. partout, Ouais, ouais. voilà. Et Pour là, te en mettre fait. vraiment au moment où t'en as Exactement. besoin, Surtout, je pense surtout au Roller Coaster Tycoon 1 et 2, où c'était vraiment très comme ça. Ah oui, tu voyais tout le temps ça, Ouais, à voilà. l'écran, Enfin, tout le temps, non, mais souvent, ouais. Mais vu ouais. que là, on peut mettre en diagonale, il n'y a plus vraiment cet esprit de.
Mince. Ça, c'est un peu nul, ça. Du coup, hop, effacer. Il n'y a plus cet esprit de... Ah, vous savez, c'est drôle. Voilà, on peut monter à souhait. Ah oui. Ah oui, oui. Ouais, vraiment, au niveau du contenu, c'est pas du foutage de gueule, quoi. Ça, non, ouais, franchement, il y a de beaux moyens. Bon, ça, c'est un magnifique, oui. Magnifique création. C'est vraiment... je pense que... Non, c'est pas de la merde. C'est une belle composition rouge et noire. Bref, j'arrête de dire de la merde. On peut l'enregistrer. Tac, enregistrer le plan. Tac, tu donnes ton nom, t'enregistres. Bon, là, je vais la pas enregistrer, oui. Ça mérite pas. Et ça donne le prix et tout. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, le prix, il n'est pas... Tu le payes qu'à la fin, en fait. C'est-à-dire que tu peux faire ta construction, tu peux regarder si le prix te convient, et après, tu fais terminer, tu payes. Alors qu'à la base, c'est pas du tout. Tu payes pièce par pièce. Et je parle aussi du 3. C'est mieux, le 3, ouais. C'est comme ça aussi. Du coup, tu te fais... Tu te fais avoir quoi sur les sur les constructions parce que voilà tu fais une pièce, hop, ça va pas, mince, tu l'enlèves, et en fait tu perds des sous parce que quand tu l'enlèves tu gagnes moins que quand tu le... Au moins ça te permet de, voilà, c'est plus réaliste, c'est bien, c'est comme si on appelait ça appelle un architecte quoi. Et voilà, et dernière petite chose, on peut aussi cliquer sur les gens. Cliquer sur une personne, je peux savoir ce qu'elle veut. Je peux savoir ce qu'elle a fait, je peux savoir son mode de pensée, ce qu'elle a fait, voilà, c'est bien. Voilà. Tout est dit. Ouais, c'est bien fait, regardez. C'est vraiment réaliste, non c'est... Ah ouais, il y a un bon zoom. Hein. Après, voilà, les petits bruits comme ça, on va pas prendre pour ça. Parce qu'en 2030, il n'y aurait plus ça, mais pour l'instant, ça va très bien. Voili voilou. Moi, je dis, c'est un jeu vraiment... c'est un jeu à tester, à essayer. C'est vraiment... faut aimer les jeux de stratégie ou de gestion, en fait. Et de créativité. C'est un jeu qui mêle beaucoup de créativité et de la gestion. Enfin, voilà. Il y a ces deux mots, mais c'est les deux maîtres mots du jeu, je pense. Et voilà, il y a un peu de curiosité. Faut pas être assoiffé par l'action ou quoi, parce que... Faut être patient. Ouais, faut être patient, très patient. Voilà. Ah, c'est quoi ça? Ah, ça c'est un ami influenceur, bah, je vous laisse vite fait lire. Ouais. Et en fait, du coup, y a de temps régulièrement, il y a des personnes qui viennent et en fait, elles ont de l'influence par rapport à d'autres personnes. Et il faut les satisfaire pour attirer la clientèle. Et si tu les satisfais pas, bah, tu perds la clientèle dans le parc. Ce qui est con. Ouais. Du coup, vaut mieux les satisfaire. Là, elle veut quoi? Elle veut des pandas en peluche. Du coup, il faut que... Hop, ma équipe, il faut que j'achète. Il faut que je vende des nounours en peluche quelque part. Ouais. Puis là, on va les recettes. C'est vraiment... Voilà, c'est bien fait, hein. Ce qui me manque, moi, personnellement, c'est peut-être la courbe d'argent. Ouais, c'est la courbe d'argent qui me manque. Est-ce que je suis sûre qu'il n'y a pas? Bah, pourtant, j'ai regardé, mais je ne la trouve pas. Et on peut mettre des... Ouais. Bah oui, c'est frustrant, la courbe et tout. Moi, je suis très visuelle, donc... Ça, c'est la carte des fréquentations, donc on peut... Ça, c'est nouveau, par contre, on peut voir, là, revenu du parc. Par contre, c'est quoi? C'est que t'es en déficit, ça, non? Ouais, ce mois-ci, mais ça, c'est normal, c'est parce que... J'ai payé les attractions, tout ça. Ah oui, aussi, il faut les entretenir, les attractions. Non, ah oui, mais c'est les concierges, ça. C'est ce dont j'ai déjà dit pour les bâtiments à construire, là. Voilà, mécanicien, tout ça. Donc là, on voit, par exemple, prévalence, où il y a tout le monde qui... C'est visuel, ça, c'est bien. Et il manque ce visuel, peut-être, pour l'argent, quoi. Moi, enfin, ça, ah ouais. Un tableau, moi, ça me satisfait pas, personnellement, mais... Non, il n'y a pas, hein, voilà. Ok. Bon. J'ai juste une dernière question. Tu peux faire de la promotion, là, de ton parc, pour le faire... Ça, c'est cool aussi. Ah oui, faire de la publicité. Là. Exactement, pour avoir plus de visiteurs. Là, pour un grand parc comme le mien, 94 visiteurs, c'est un peu nul. Voilà. Je veux juste savoir, quel est ton épisode préféré? L'épisode préféré? C'est-à-dire? De ce jeu? Cette saga. Ah. Alors j'ai testé le 1, 2, 3 et le World du coup. Le World c'est le 4 alors? Ou il y en a eu d'autres? Non,
Il y a une version aquatique, il y a une version gold aussi qui regroupe le 3, la version, une version aquatique et le world, ça c'est une version gold. Après, vu que ça c'est plus nouveau, à part la version aquatique, en plus, je sais pas. Enfin, version aquatique, je vous parle pas des jeux sur l'eau, hein, parce que même ça dans le 3, il y a. Hein. C'est vraiment, ils ont enlevé ça, quoi. Version aquatique, c'est vraiment construire un parc, mais aquatique. Donc avec des toboggans aquatiques, tout ça. Ça, j'ai jamais joué. Moi, je suis plutôt vieille tradition. Je préfère les vieux parcs comme ça. Alors, je pense honnêtement, c'est le 2, mon préféré. Ah ouais? Parce qu'il a vraiment amélioré le 1. C'est-à-dire que c'est vraiment. C'est beaucoup amélioré avec des nouvelles attractions et tout. Et le 2, il est juste. On peut faire des tunnels sous la terre. Ça, c'est fini hein, après. Et puis, en fait. Vous allez me prendre pour une attardée mentale ou pour je sais pas qui. Moi, je trouve, dans certains moments, c'est pas mieux de toujours améliorer le graphisme. C'est pas plus on a un graphisme réaliste, mieux c'est. Moi, je trouve que le graphisme, on va dire vieille franquette, voilà, années 80, en 2D, en exactement, avec riche en couleurs. C'est isométrique, hein, le truc. Oui, exactement. On est tourné sur quatre. Voilà, que sur quatre angles. Je trouvais ça vraiment, vraiment top. Vraiment. Après, voilà. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est la clientèle 4, veut ça, voilà. SimCity 4, c'était pareil. Ouais, SimCity 4, c'est pareil. Mais bon, de nos jours, on veut toujours que ce soit plus réaliste, plus. Voilà. C'est quand même plus agréable dans le 3D que les dungeons. Je suis désolée. Je suis désolée. Je sais, je sais. Peut-être que je suis pas très. C'est juste pour la raison du graphisme. Je suis ingrate, mais. C'est juste pour la raison du graphique. Ouais, c'est pour la raison du graphique, ouais. Voilà. Bah oui, t'es une attardée mentale. Merci. Ah, mais toi, tu dis ton avis, ça me va. Ouais, bon, bah. Voilà, merci hein, d'avoir regardé jusqu'à la fin, si vous avez regardé jusqu'à la fin. Sur ces belles paroles. Et puis, à plus tard dans une autre vidéo. Ouais, peut-être avec Chris demain, on ne sait pas. C'est la surprise. Ciao, ciao. Ciao.